Bonjour, mon nom c'est Olivier, je viens de Nice en France, je suis arrivé au Québec à l'âge de 12 ans. J'ai un frère qui était en équipe de France de judo, un oncle qui était aussi en équipe de France de judo. Donc depuis que je suis tout petit, on est dans les sports de combat. Donc ta spécialité, tu parles de judo. Oui. Tu as donc commencé dans le judo, qu'est-ce que tu as fait dans le domaine du judo? Je suis monté jusqu'à la ceinture noire, j'ai fait plusieurs fois les championnats nationaux, j'ai fait deuxième au championnat de France par équipe. J'ai gagné quelques compétitions, à peu près toutes les compétitions, j'ai fait des médailles dans toutes les compétitions d'Amérique du Nord. Les raisons qui font qu'on passe le judo, qui est un sport olympique, et finalement en Suisse, on fait du MMA, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le MMA et qu'est-ce qui t'y a amené? Il y a plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'est que durant le Covid, il n'y avait pas de compétition de judo pendant minimum un an de ce qu'ils nous ont annoncé au départ. Donc j'avais besoin de faire du sport de combat. Puis c'est sûr que le MMA, c'est des carrières qui sont plus longues, puis ça ouvre plus de portes que le judo. C'est sûr que quand j'étais petit, je regardais beaucoup les vidéos. Quand on voit les athlètes qui se bagarrent comme ça, on est impressionné. Et j'ai toujours eu ce côté en moi bagarreur, donc j'avais envie d'essayer à un moment donné. Puis j'ai pas eu l'opportunité de le faire avant, mais quand l'opportunité s'est proposée, je me suis lancé dedans. Quand j'étais petit, j'étais un fan de Fedor Emelianenko. Comme beaucoup de monde, qu'est-ce que t'aimais de Fedor? Je trouvais que quand il se bagarrait, il se jetait vraiment, il y allait, il pensait pas trop et il avait un regard de glace, puis il avait des mains, c'était assez impressionnant. J'ai commencé très très tôt, après 6 mois de boxe, je me suis lancé directement. J'ai perdu mon premier combat à la décision, ça a été ma seule défaite. Après j'en ai fait un, c'était un combat sans décision, c'est une exhibition. Et depuis, j'ai eu 3 combats qui se sont terminés par TKO à mon avantage. À partir du moment où j'ai fait mon premier entraînement de boxe, le but c'était très clair, c'était de me lancer professionnel. Donc je ne fais pas les choses pour avoir des regrets par la suite. Donc à partir du moment où je suis dans la cage, c'était de suite pour aller pro. J'ai eu 3 bons combats de suite, donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais. J'ai été approché à plusieurs reprises. On a repoussé. Puis au bout d'un moment, quand on a vu que tout se passait bien, mon agent m'a fait les démarches pour qu'on puisse commencer le club de boxe. Je me dis qu'à 26 ans, dans quelques jours, c'est le moment. Je suis au top de ma forme, je suis surentraîné, j'ai la santé pour l'instant. À chaque entraînement, ça pourrait être mon dernier. Une blessure peut arriver n'importe quand. Et je ne veux pas avoir le regret de me dire « Ah, j'aurais pu », donc c'est le moment de foncer. C'est sûr qu'il y en a qui y vont, qui ne savent pas trop et qui ont un peu peur. Moi, j'y vais pour tout casser. Je vais tout donner dans la cage. Moi, je vais y aller pour finir le gars dès le premier round, donc ça va être une guerre, puis je compte pas perdre, donc on va tout donner. Moi, j'ai des mains en béton, j'ai une bonne force de frappe, puis quand je tape, ils le sentent normalement. Donc ça va être le 11 mars, au Colisée à Laval. Donc l'organisation, c'est Samouraï, j'ai signé 3 combats avec eux. Ça va être la carte la plus énorme qu'il y ait eu dans les 10-15 dernières années au Québec. Il y a des athlètes de très haut niveau qui vont être là. Et je pense que tous les combats vont être assez fous. Et même les premiers, je pense que je serai un des premiers. Ça va aller du début à la fin pour des KO et ça va être un spectacle incroyable. Leur 5e gala déjà, mais celui-là, je pense qu'il va être vraiment spécial. J'ai qu'une hâte, c'est de voir les milliers de personnes qui crient et leur donner le show qu'ils méritent. Ne manquez surtout pas mon premier combat, le 11 mars au Colisée de Laval. Je vous promets un sacré show, ça va cogner.